Yo les potes, c'est une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer les récompenses Haunted Halo, donc SOS Ghostbuster, SOS Fantôme, j'en sais rien. Donc c'est les nouvelles récompenses, ils viennent tout juste de sortir à 18h le 20 octobre. L'événement se termine le 24 novembre, donc il reste un mois à peu près. Déjà, on a un nouveau mode de jeu, les gars. Ça s'appelle mode à temps limité Haunted Heatseeker. Donc je vous montre vite fait. Dans ce mode rapide 3v3, la balle se dirige automatiquement vers les buts de l'équipe adverse lorsque vous la touchez. Mais attention, si elle touche le panneau, elle rebondit en direction de vos buts. La balle gagne en vitesse à chaque fois qu'elle est touchée. En gros, c'est un goal à goal, les gars. Mais je testerai le mode plus tard. On va voir les défis. Hop, ils sont juste ici. Les défis Fortnite, d'ailleurs, ils sont finis. Alors, premier défi, effectuer 20 centres ou dégagements dans des parties en ligne. Donc, dégagement, ça veut dire vous la tirez vers l'avant. Et des centres, ça veut dire vous êtes sur le côté et vous faites une passe vers l'avant dans les buts adverses. Réussir 5 buts, passe décisive ou arrêt dans des parties en ligne. Donc en gros vous devez marquer ou mettre des passes décisives ou arrêter des buts. Ensuite ici vous devez utiliser les messages beau tir, bien vu ou ok dans 10 parties. Donc je vais vous les montrer. Vous allez dans options, chat et vous voyez vous pouvez les changer. Donc là ils sont ici, bien vu, beau tir, ok. Je crois que c'est ceux-là, voilà. Ensuite on a quoi? Marquer un total de 5 buts dans des parties en ligne. D'ailleurs je vais vous montrer les récompenses après. Gagner 2 parties en ligne de suite, donc vous devez faire 2 top 1 d'affilée. Jouer 20 parties en ligne, donc vous devez juste jouer 20 parties. Et répétable 5 fois, c'est-à-dire que vous pouvez avoir cette récompense, donc c'est un coffre Halloween. Vous pouvez l'avoir 5 fois ce coffre. Ensuite, réussir 10 arrêts ou sauvetage miraculeux. Donc ça en gros, ça veut dire c'est des arrêts tout simplement. Réussir 3 passes décisives dans des parties en ligne. Donc là en gros, vous devez faire une passe à votre coéquipier et il doit marquer. Donc ça, faut en faire 3. Gagner 3 niveaux d'XP, donc vous devez avoir 3 niveaux. Effectuer 10 passes décisives dans des parties en ligne, donc des passes décisives, je vous ai dit ce que c'était. Être élu meilleur joueur 2 fois, en gros vous devez avoir le plus de points dans les coéquipiers et gagner la partie. Et gagner 10 parties en ligne, donc vous devez faire 10 top 1. Je vous montre les récompenses, donc on a piège à fantôme, hop, vous voyez, c'est juste ça. Ensuite une bannière Ghostbusters. Une bordure Ghostbusters, une traînée de fantômes, ectoplasme, des roues Stay Puft. Ok. Donc là, du coup, c'est comme je vous ai dit, des caisses. Donc vous aurez des objets aléatoires. Ensuite, ce petit fantôme Stay Puft. Ok. La petite bannière. Slime Humeur. Ensuite, Slimer. Ensuite, les petites roues Ghostbusters. Et 20 000 XP. Et d'ailleurs c'est répétable, donc vous pouvez faire cette quête à l'infini, juste en jouant un des parties. Du coup voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et pensez au code créateur NSQ dans la boutique Fortnite. Et petite précision, je débute le jeu il n'y a pas longtemps, j'ai pas beaucoup d'items. Donc s'il y en a qui ont beaucoup beaucoup de skins, Rocket League, d'objets, de voitures, n'hésitez pas à me donner votre pseudo dans les commentaires et si vous pouvez me les donner, ce serait sympa. Ciao!